Alors, nous, les vaches avec le robot, depuis qu'elles sont robots, on va dire qu'on ne sort plus les vaches à l'extérieur pour deux problématiques. Premièrement, pour qu'elles soient toujours proches du robot et qu'elles y aient toujours accès. Et puis l'autre problématique, c'est local, on va dire. On a des terres très sableuses et donc on a beaucoup d'herbes à une très courte période de l'année. Et on va dire 10 mois de l'année ou 9 mois de l'année, il n'y a plus d'herbes à brouter dans les champs. Donc il n'y a plus d'intérêt à faire sortir les vaches pour manger de la terre. Donc on a pris le système où les vaches restent dans la stabulation toute l'année. On récolte les grosses quantités d'herbes quand elles sont là, on les stocke et on les redistribue tout au long de l'année. Alors la ration chez nous, elle est assez stable tout au long de l'année, avec deux principales parties, la moitié d'ensilage d'herbes et l'autre moitié d'ensilage de maïs. Donc c'est assez équilibré. Et puis à cela, on rajoute suivant la saison, soit des céréales, soit des protéines avec du tourteau de colza ou de soja. Puis l'hiver, on apporte aussi de la betterave pour concentrer la ration et faire une plus grande diversité de produits au sein de la ration.